sache que pour vaincre tu dois souffrir toutes choses à son prix pour lequel tu dois combattre malgré toutes tes faiblesses. Quelle valeur aurait ta victoire si c'était si facile de parvenir à l'arrivée? Oui, je sais, parfois nous avons besoin d'épreuves pour pouvoir grandir, acquérir un cœur sage et humilié pour Dieu. Sans cela, nous des épreuves, tu n'en veux pas, mais elles sont utiles parfois pour animer le don qui est en toi. Et laisser la vie confortable, celle qui te fait oublier Dieu et avancer vers ton but fermement. Parfois nous avons besoin d'épreuves pour pouvoir grandir, acquérir un cœur sage et humilié pour Dieu. Sans cela, nous ne pourrions pas recevoir ce que Dieu veut. Gloire à Jésus. Amen. Aujourd'hui, tu vas être guéri. Je le crois fortement dans mon cœur. Pourquoi ? Parce que Dieu m'a communiqué un message et on va parler guérison. C'est une série sur la maturité et ça sera la dernière prédication sur cette série. Mais on ne pouvait pas finir la série sur la maturité sans parler de guérison. Donc le thème d'aujourd'hui, c'est que la maturité, c'est accepter la puissance de ses mains percées. Parce que dans les mains percées du Christ, il y a une puissance. Et j'aimerais briser déjà d'entrée un faux raisonnement. La guérison pour Dieu n'est pas une publicité. Non, elle peut servir parfois de publicité. Mais la guérison est un héritage pour l'Église. Quelque chose qui nous a donné, quelque chose qui est lié à la nature de Dieu. Dieu n'est pas malade. Il n'y a aucune bactérie en Dieu. Il n'y a aucun tourment en Dieu, aucune migraine, aucune maladie, aucune infirmité. Et j'aimerais te dire, Église, que tu véhicules à l'intérieur de toi la personne la plus puissante de l'univers. Et si tu crois, Dieu va te guérir à travers cette parole, à travers ces moments. Alléluia. C'est ça aussi, être mature, décider de grandir. Alléluia. Et d'accepter que dans les mains percées du Christ, il y a une puissance. Il y a aussi des points d'interrogation, mais qui peuvent être brisés. Des choses où on n'a pas compris et où on a vu des personnes dire « J'ai fait prier pendant 20 ans pour moi. » Et au bout de 20 ans, j'ai été guéri. Il y a des mystères, mais la bénédiction était au bout du chemin. Alléluia. La Bible dit que Dieu allait nous restituer les années que les sauterelles, que les problèmes nous avaient volées. La maladie t'a volé des années.
la maladie t'a volé tes nuits, tu peux les récupérer dans le nom de Jésus. Amen. Si c'est à toi que je parle, tu dis amen là où tu es. Alléluia. Gloire au Seigneur. Évangile de Matthieu chapitre 8, versets 2 et 3. La Bible dit, un lépreux va s'approcher et venir se prosterner devant Jésus. Et le lépreux va parler, il va dire à Jésus, « Si tu le veux, tu peux me rendre pur. » Il était conscient, ce lépreux, qu'il y avait une capacité en Jésus. Il dit, « Si tu le veux, tu peux, je sais que tu peux. » Mais ce que ce lépreux avait besoin de savoir, c'est si dans Jésus, dans son caractère et dans son implication à travers sa mission sur terre, s'il voulait le guérir. Et nous avons vu dans la prédication sur la maturité qui a précédé celle-ci, sur l'amour, savoir et accepter que nous sommes aimés de Dieu, que Dieu nous aime, alléluia, et que dans sa volonté, dans son amour, dans ses mains percées, ça c'est la preuve d'amour de Dieu en Christ pour les hommes. Dieu a révélé dans son amour qu'il voulait aussi les guérir. Alléluia. Et c'est ce que ce lépreux avait besoin de savoir. Et il y a beaucoup de chrétiens qui posent ces questions à Dieu. Je sais que je suis sauvé. Je sais que si tu viens me chercher maintenant, je pars avec toi. Mais est-ce que tu veux me guérir? J'aimerais te répondre. Oui, Dieu veut te guérir. On doit réaliser. Il y a trois choses que nous devons réaliser. Et nous allons voir ensemble, c'est comment est-ce que l'on perçoit la volonté de Dieu, premièrement. Deuxièmement, c'est est-ce que la volonté de Dieu se fait de manière systématique. Et troisièmement, comment ça fonctionne. On a besoin de comprendre ça. Alors premièrement, comment est-ce que l'on perçoit la volonté de Dieu. Évangile de Matthieu, chapitre 6, Jésus nous enseigne la manière que nous devons prier. Et retiens ceci, Dieu ne veut pas que tu pries pour que tu transpires. Dieu veut que tu pries, alléluia, parce qu'il a besoin de t'entendre. Pour quelle raison? Pour t'exaucer. Et déjà, se positionner en tant que fils, Jésus le dit, c'est réclamer et attirer la puissance de Dieu sur nous, l'héritage que l'Église a là. Nous sommes le temple du Saint-Esprit. Le Saint-Esprit, le Saint-Esprit, la présence sainte de Dieu, notre Père qui est aux cieux. Il n'a pas dit qu'il est que dans les cieux là-haut, mais qui occupe les trois cieux, parce que Dieu est omniprésent et sa volonté se manifeste dans les trois cieux. Alléluia, et tu le sais. Je veux ramener ces paroles devant ton cœur parce que tu le savais déjà. Mais à cause que tu n'as pas encore été exaucé, tu t'es résilié à ne plus croire. Mais je prie qu'à travers cette prédication, tu crois à nouveau, ma sœur. Alléluia. Que tu crois à nouveau, mon frère, pour que tu obtiennes, alléluia, enfin ta guérison. Se positionner en tant que fils, alléluia, et de dire ces paroles, que ta volonté et que ton règne, que ta volonté et que ton règne qui est dans le ciel se manifeste sur la terre. Et quand je considère quel est le règne de Dieu et la volonté de Dieu dans le ciel, Seigneur, je te pose une question. Est-ce qu'il y a des démons dans le ciel? Il n'y en a pas, il n'y aura pas d'esprit d'infirmité. Est-ce qu'il y a des cancers dans le ciel? Est-ce qu'il y a des douleurs aux genoux? Est-ce qu'il y a des problèmes pour dormir? Est-ce qu'il y a des problèmes de sciatique? Est-ce qu'il y a des problèmes de dos? Est-ce qu'il y a des problèmes de maladie, de tourment? Il n'y en a pas dans le ciel. Et Jésus nous dit, quand tu vas prier, tu te positionnes en tant que fils. Et tu proclames, alléluia, que dans les cieux, il y a une volonté. Et c'est possible à travers notre foi d'attirer la volonté de Dieu sur la terre. Alléluia. D'expliquer à travers notre vie et nos croyances, à nos maladies, vous ne pouvez pas rester ici. Ce n'est pas votre demeure. Vous êtes des habitants illégaux dans mon corps. Et je réclame aujourd'hui ce qui est à moi. J'appelle la sainteté et la santé dans mon corps. Alléluia. Se positionner déjà comme ça. Alors j'aimerais te poser aussi une question. Est-ce que la volonté de Dieu, elle se fait de manière systématique? On a souvent dit, si c'est la volonté de Dieu, ça se fera. Eh bien, j'aimerais te dire que c'est faux. La volonté de Dieu, elle ne se fait pas de manière systématique. Il y a des combats, il y a de l'adversité.
L'ennemi vient à travers des paroles qu'il lance. Tu ne seras pas guéri, tu seras tourmenté. Ça, c'est lié à ta destinée. Et à partir du moment où tu crois dans ces paroles, tu paralyses la foi. Une parole de peur auquel tu as accepté, une parole de doute que tu as accepté, paralyse ta foi. La Bible dit, écoute bien, et c'est la seule fois que vous voyez Satan avoir peur dans la Bible. La Bible dit ceci, que quand la parole a été semée, que le diable vient pour enlever la semence, vous savez pour quelle raison ? Parce qu'il a peur, alléluia. T'imagines que c'est possible de faire peur à Satan ? Parce qu'il a peur que tu crois dans les paroles qui ont été libérées. Et quand Dieu te dit qu'il est en mesure de te guérir, et Jésus a répondu à ce lépreux, il a dit « Oui, je le veux. Oui, je le veux. » C'est comme si qu'il était en train de me répondre « Oui, Christ, je veux que tu sois guéri. » Et il répondait à l'humanité tout entière « Je sais que vous avez un problème. » Vous êtes conscient que j'ai une capacité, mais je voudrais vous répondre aussi. J'ai la volonté, alléluia, de vous guérir, de vous restaurer, amen. Mais la volonté de Dieu, elle ne se fait pas de manière systématique. Alors pourquoi je dis ça? Je vous pose une question. Est-ce que Dieu, en envoyant son Fils sur la terre, veut sauver l'humanité tout entière? Ben oui. Oui, il veut sauver l'humanité tout entière. Mais je vous pose une question. Est-ce que l'humanité tout entière sera sauvée? Et malheureusement, non. Parce qu'il y aura toujours un libre choix. Déjà, ce libre choix. Mais il y a aussi, et ça c'est une parole énorme, il faut considérer que quand Israël est parti en combat contre les Philistins, la Bible dit que les Philistins sont venus à la rencontre d'Israël pour faire la guerre. Ils ne sont pas venus pour faire autre chose. Satan et son armée va plus se déchaîner, écoute bien, plus se déchaîner sur l'Église que sur ceux qui ne sont pas chrétiens. Parce qu'il les domine déjà de loin. Il faut comprendre que quand tu rentres, alléluia, dans la présence de Dieu, quand tu as accepté le salut dans ton cœur, tu deviens une personne potentiellement dangereuse pour l'enfer. Et surtout, quand tu as été au bénéfice de ses mains percées, que tu expliques qu'en Christ tu as ta guérison, que tu deviens une parole, un porte-parole pour l'œuvre de Dieu à travers ton témoignage de ce que tu as vécu et ce que tu vas véhiculer. C'est pour ça qu'il va arriver avec des peurs, des fausses croyances, des doutes, des tristesses chroniques. Mais je prie pour que Dieu te délivre et te guérisse, alléluia, de toutes ces choses. Alors la volonté de Dieu, elle ne se fait pas de manière systématique. Mais c'est possible, alléluia, d'être au bénéfice de sa volonté. Amen. Si c'est à toi que je parle, tu dis je reçois là où tu es. Dis-le, dis-le. Pas pour moi, mais dis-le. Parce que tu le proclames à haute voix, qu'aujourd'hui Dieu va te guérir. Amen. Gloire au Seigneur. Alors comment ça fonctionne? Et il y a un principe prophétique à comprendre, qui se trouve dans le livre des psaumes, chapitre 115, du verset 11 à 16. Le psalmiste va dire ceci. « Vous qui craignez l'Éternel, confiez-vous en lui. » Et nous, on pourrait le traduire de cette manière-là. « Croyez en lui. » On l'a déjà vu ensemble, ce n'est pas une œuvre méritoire. Mais la grâce de Dieu, tu peux être au bénéfice de la grâce de Dieu en croyant seulement. Alléluia. Alléluia, ma grâce te suffit, ça veut dire je t'ai donné la capacité, tu as le potentiel suffisant en toi pour être au bénéfice de la vie éternelle, être au bénéfice de ta délivrance et être au bénéfice de la guérison, amen. La grâce de Dieu est suffisante, écoutez bien, confiez-vous en lui, croyez en lui, pour quelle raison? Parce qu'il est notre secours et notre bouclier, l'Éternel se souvient, non, il ne t'a pas oublié, l'Éternel se souvient de toi, il se souvient de nous et il dit, il bénira. Il le redit une deuxième fois, il bénira qui? La maison d'Israël. C'est représenté comme étant l'église d'aujourd'hui. Il bénira la maison d'Aaron, c'est les serviteurs de Dieu. Il bénira ceux qui craignent l'Éternel, les petits et les grands. Oui, ce n'est pas réservé à une élite d'être au bénéfice de la volonté de Dieu. Il n'y aura pas que les apôtres Paul et Pierre il y a 2000 ans. Il y a aussi les apôtres Paul et Pierre aujourd'hui. Alléluia, gloire au Seigneur. Possible d'être un homme de Dieu dans les temps où nous vivons aujourd'hui. Alléluia. L'Éternel vous multipliera.
Ça, c'est Dieu. L'Éternel vous multipliera ses faveurs, alléluia, à vous et à vos enfants. Que c'est beau l'Évangile. Quand tu comprends le fonctionnement de certaines choses et que tu les as mis en pratique, tu deviens une lumière au sein de ton foyer. Tu deviens une lumière au sein de ton foyer. Combien de personnes j'ai vu témoigner en disant « Je voyais ma mère prier le matin. Je voyais mon père partir faire des missions, partir pour travailler pour Dieu, revenir avec des témoignages de guérison. Et le jour où j'ai besoin d'être libre, d'être guéri, quand les ténèbres ont été relâchées sur moi, je me suis souvenu, alléluia, que mes parents avaient été exaucés, qu'il y avait de la prière dans ma maison. Et j'aimerais te dire que accepter d'être guéri aussi permettra certainement, et c'est une parole prophétique, je prophétise pour toi, que tes enfants seront guéris dans les temps qui vont arriver. Alléluia. Gloire au Seigneur. L'Éternel vous multipliera ses faveurs, à vous et à vos enfants. Il dit, soyez bénis. Soyez bénis. C'est, en fait, il y a une volonté de Dieu derrière ça. Et Dieu te demande d'être béni. Ça ne dépend plus de Dieu, mais ça dépend de nos croyances et des choix. De nos choix va dépendre tellement de choses. Et si nous voulons être au bénéfice du succès spirituel, il faut décider, alléluia, d'être béni. Décide d'être guéri dans cette prédication. Alléluia. Soyez bénis par qui ? Par l'Éternel. Écoutez bien, et c'est là que je veux en arriver. Qui a fait les cieux et la terre ? Les cieux sont les cieux de Dieu, mais la terre, il dit bien, mais la terre, il l'a donnée aux hommes, il l'a donnée aux fils des hommes. Dieu ne reprend pas et ne reprendra jamais ce qu'il a donné. Et dans les dons qu'il a fait aux hommes, il a fait la terre. Satan est venu récupérer les clés de la terre à travers un péché, à travers une désobéissance, quelque chose que Adam a donné à Satan. Mais dans le plan de Dieu, la terre n'est pas à Satan. La terre, c'est aux hommes. Et quand on décide de récupérer ce que Dieu nous a donné, Satan est obligé de reculer et Dieu se manifeste à travers notre vie, à travers nos croyances, à travers nos déclarations, nos proclamations et toutes ces choses. Et je prie qu'aujourd'hui, tu vas être au bénéfice, alléluia, de ces mains percées. Alors ça veut dire quoi ? On ne peut pas dire « Dieu me guérira quand il a décidé ». Si la terre a été donnée aux hommes, alléluia, il faut que les hommes réclament la puissance de Dieu sur la terre. Parce que Dieu ne se manifestera jamais sur la terre si les hommes n'ont pas invité Dieu. C'est pour ça que la volonté de Dieu, elle n'a pas été validée à travers des sacrifices de boucs, des sacrifices de pigeons, des sacrifices de bêtes ou des offrandes de gâteaux. L'acte qui a été validé a été par un homme qui est mort. Jésus est venu sur la terre. Jésus est venu sur la terre. Écoutez bien. Pas pour nous montrer de quelle manière il allait falloir se comporter dans le ciel. Non. Mais Jésus est venu en tant qu'homme sur la terre pour nous montrer comment sur la terre il fallait se comporter et appeler, écoutez bien, la présence du ciel sur la terre. Que c'est beau l'Évangile. Que Dieu fasse que tu comprennes cette parole. Notre source, c'est Jésus. Amen. Dis amen là où tu es. Mais le moyen d'aller puiser dans cette source, c'est notre foi. Donc en réalité, Dieu fera ce que tu lui permettras de faire. Amen. Dieu fera ce que tu lui permettras de faire. Et j'aimerais dire à quelqu'un, montre-moi ta foi et je te dirai ce que Dieu peut faire à travers toi. Il faut comprendre ces choses-là. Que Jésus a jamais dit, je t'ai guéri. Je t'ai sauvé, je t'ai libéré, même si c'est lui la source. Mais sur la terre, Jésus a toujours dit, ta foi t'a sauvé. Ta foi a guéri ta fille. Ta foi t'a libéré. Ta foi t'a donné la possibilité, Bartimée, de revoir aujourd'hui qu'il en soit fait selon votre foi.
Et je prie aujourd'hui pour que tu réalises ces paroles. Il dit, celui qui croit, celui qui a la foi, il verra la gloire de Dieu. Celui qui croit, celui qui a la foi, qui manifeste sa foi, il vivra. La maladie va partir dans le nom de Jésus. J'aimerais que tu dises là où tu es, Dieu a dit. Dis-le, Dieu a dit. Gloire au Seigneur. Si Dieu a dit, les choses doivent se faire. Dieu lâche des paroles, et on l'a vu déjà ensemble. Il va veiller sur l'accomplissement de ses paroles. Amen. Gloire au Seigneur. Il faut que tu comprennes ça, déjà. C'est que la guérison n'a pas été une idée que l'homme un jour a eue. Ce n'est pas une initiative que l'homme a prise. Mais c'est une initiative que Dieu a prise. Eh oui, on ne voit pas un homme dans la Bible un jour dire « Je vais demander à Dieu de me guérir ». Non. Vous savez ce qu'on voit ? On voit Dieu qui va rentrer en dialogue avec un homme qui est malade. Et il dit ceci dans le livre de la Genèse, chapitre 20, verset 27. Dieu va rentrer en dialogue et il va parler à Abimélec. Et il va dire ceci, « Mon serviteur », et en l'occurrence, il parlait d'Abraham, il parlait du père de la foi, alléluia, du père de la foi, et c'était prophétique. Et il dit à Abimélec, « Mon serviteur va prier pour toi. » Je ne comprends pas, il aurait pu le guérir de suite, non. La volonté de Dieu, elle passe par les hommes. Il fallait qu'un homme prie pour Abimélec et sa maison pour qu'il soit guéri. Parce que la terre a été donnée aux hommes. Et il fallait qu'un homme appelle la sainteté de Dieu sur la terre pour que la guérison se manifeste. Ça te parle? C'est comme ça que ça fonctionne. Dieu ne fait pas ce qu'il veut quand il veut. Dieu fait ce que tu lui permettras de faire. Gloire à Jésus. Je sais que tu es en train de comprendre. Mon serviteur va prier pour toi et il dit, tu seras guéri et tu vivras. Dieu passe par Abraham, Dieu passe par un homme. Et au verset 17, la Bible dit que Abraham, symbole de l'Église, symbole des hommes et des femmes de foi, va prier Dieu. Il va aller puiser dans la source. Alléluia. Et la source a été déversée sur Abimélec. Et la Bible dit que Abimélec, sa femme et ses servantes ont tous été guéris et ils ont pu avoir des enfants. Que Dieu soit béni. Que Dieu soit béni pour les hommes et les femmes qui décident de réclamer la guérison pour leur famille, qui décident de réclamer la guérison pour eux, pour leurs églises, pour les gens qui leur entourent. Parce qu'un jour, alléluia, la guérison va arriver. Que c'est beau. Je vous pose une question. Est-ce que vous voulez être guéri? Est-ce que vous voulez être guéri? Regardez ce que le psaume 107, verset 20 va dire. Il envoya, et on parle de Dieu, il envoya sa parole. Et prophétiquement, c'était pour annoncer aussi la venue de Jésus. Il a envoyé Jésus. Il envoya sa parole et il les guérit. Et écoutez bien, et il les tira de la fosse. Et en fait, j'ai compris que la maladie, elle a un seul objectif. C'est de t'assujettir, de te dominer et de t'attacher dans une fosse de découragement. Une fosse de souffrance, une fosse de rejet, une fosse de frustration, pour t'emmener jusqu'au séjour des morts. À la croix, Jésus a dit « En toi, je remets mon esprit ». Ça veut dire qu'il a donné sa vie. On ne lui a pas prise. Et c'est possible, même si on est malade, d'être guéri aujourd'hui et que ce ne soit pas la maladie qui nous emporte. Amen. Il faut que tu dises « Amen » à ces paroles. Il envoya sa parole et il les guérit. Gloire à Jésus. Et il les tira de la fosse. Au nom de Jésus. Voici ce qui a été fait par Jésus pour que tu puisses réellement être au bénéfice. Écoute bien. Et je sais que ça dérange les ténèbres. Je te lance une parole de l'Écriture. Et le diable va tout faire pour que tu ne croies pas dans cette parole. Au nom de Jésus. Ésaïe chapitre 53, verset 5. Il était transpercé, on parle de Jésus, à cause de nos crimes, écrasé à cause de nos fautes. Et le châtiment qui nous donne la paix est tombé sur lui. Et il dit ceci, écoute bien, dans ses meurtrissures, amen, dis amen, dans ses meurtrissures nous sommes guéris. Ça veut dire que c'est quelque chose qui a été validé, qui a été fait. L'évangile de Matthieu chapitre 8, verset 17, il a pris, ça veut dire que c'est fait, ça y est.
Il a pris nos infirmités et il s'est chargé de nos maladies. C'est validé, c'est fait. Christ l'a fait, alléluia. Tout est accompli. Il est mort, il est ressuscité. Le Saint-Esprit a été répandu sur la terre. Ce que j'ai au nom de Jésus, je te le donne, reçois là où tu es, maintenant. Oui, Seigneur, tu le fais. Oui, Jésus, tu le fais. C'est un acte qui a été fait. Alors tu as certainement demandé des années, peut-être des mois, même des semaines. Est-ce que tu veux me guérir ? Jésus te répond. Oui. La volonté de Dieu, c'est aussi de te guérir. Alléluia. Ça passe des fois par des chemins de foi, des chemins de repentance, de persévérance. Mais peu importe les chemins, la volonté de Dieu, oui, il y a la guérison dans la volonté de Dieu. Nous avons vu des personnes avoir des douleurs dans les genoux. Et puis, ils commençaient à faire ça, commençaient à sauter sur place, ils commençaient à se réjouir. Leur douleur les avait quittés. Des personnes qui avaient des sciatiques, des personnes qui avaient des scolioses, on posait nos mains sur eux, le dos se remettait droit, mais de manière instantanée. Ça, c'est la volonté de Dieu. Des personnes où ils avaient des hernies discales, des problèmes aussi de cervicales, où on voyait les colonnes vertébrales se remettre comme il faut. Ça, c'est Dieu. On a vu des personnes, au respect que je vous dois, qui avait des cancers. Et ces cancers ont été asséchés. Hier, on m'a envoyé encore une photo avec deux radios dessus. Une radio avec un bras cassé. Et un serviteur a prié, écoutez bien, pour cette personne qui avait ce bras cassé. Et le lendemain, ils ont refait une radio. Le bras avait été ressoudé. Miracle avait été opéré. Alléluia. Ça, c'est la volonté de Dieu. Des personnes qui venaient à l'imposition des mains, une fille qui était sourde d'une oreille et où on a prié pour elle et elle a réentendu. Oreille, tu vas t'ouvrir dans le nom de Jésus parce que Christ a déjà relâché des paroles. Il a dit que tout était accompli. Tu ne peux pas encore tenir cette oreille. Cette oreille appartient à Jésus. Alléluia. Des personnes qui étaient dépendants de cachets à cause de leur maladie à la thyroïde ont été guéries, mais de manière instantanée. Alléluia. Des personnes qui avaient des problèmes que les jambes se sont mises à repousser. C'est bizarre de dire ça. Mais quand vous les voyez devant vos yeux, ça, c'est ce que Dieu est en mesure de faire. Alléluia. Si c'est à toi que je parle, tu le dis. Je me rappelle d'une femme qui était venue et elle avait une rupture des ligaments croisés. Elle ne pouvait plus bouger ses bras. Et on a prié pour elle. On a dit qu'il en soit fait selon ta foi. Elle dit, je crois. Alors j'ai dit, tu sais ce que tu vas faire quand tu vas rentrer chez toi ? Tu vas ouvrir ton frigo. Et tu vas prendre des bouteilles d'eau et tu vas mettre la table à ton mari. Tu crois que Dieu t'a guéri. Et elle m'a appelé 2 heures après en pleurant, en disant, Seigneur Christ, Dieu m'a guéri. Les douleurs ont complètement disparu. Et elle a été faire des radios plus tard. Et puis ses ligaments étaient normaux. C'était redevenu à la norme. C'est ce que Dieu est en mesure de faire. Faire un miracle. Alléluia. Te faire participer à une guérison. Faire de toi une personne, nous l'avons vu, des personnes auxquelles il manquait des reins, prier et le rein était revenu. Ça, c'est ce que Dieu est en mesure de faire. Alléluia. Problème de corde vocale où Dieu donnait des dons spirituels et en même temps, alléluia, la guérison dans les cordes vocales était en train de se faire. Des problèmes d'eczéma, je peux vous en dire comme ça. Problèmes d'insomnie, des problèmes de vue. Gloire au Seigneur. Problème au ventre. Où nous voyons des personnes qui étaient dans la difficulté à cause de leur maladie. Et aujourd'hui, la santé divine a été leur partage. Alors je vais prier pour toi là où tu es. Vous savez, pour Dieu, il n'y a rien de difficile dans le sens que, même si c'est une prédication enregistrée, Dieu n'est pas en différé. Sa parole est toujours actuelle. L'Écriture, elle a des milliers d'années, mais elle est toujours actuelle. Et les paroles que je dis aujourd'hui, que je dis maintenant, elles sont aussi actuelles. Alors je vais prier pour ta guérison. Si tu as mal dans le genou, si tu as mal au dos, si tu as des problèmes dans ton corps, problèmes sanguins, si tu as des problèmes à l'estomac, problèmes de ventre, si tu as des problèmes de migraines chroniques, si tu as des problèmes dans ton corps, que tu as toujours des douleurs, cancer, pancréas, problème de foie, problème de cœur, il n'y a rien devant Dieu qui résiste.
au nom de Jésus. Et écoute bien, je ne peux pas t'imposer les mains. Mais la bonne nouvelle, c'est que Dieu est en mesure d'envoyer sa parole à travers son serviteur. Et je vais prier pour toi qui écoutes ce moment. Je voudrais que tu lèves ta main si tu es malade dans ton corps. Et je vais prier pour toi. Certaines personnes vont ressentir des chaleurs. Certaines personnes obtiendront des délivrances. Au nom de Jésus, et je vais prier pour toi, peu importe ton infirmité, peu importe ton problème. La Bible dit, si tu crois, tu verras la gloire de Dieu. Et voici les signes qui vont accompagner ceux qui ont cru. La délivrance et la guérison sont au bénéfice de ceux qui libèrent leur foi. Alléluia, que Dieu localise ta foi là où tu es. Et maintenant, je prie pour toi. Père, nous sommes devant toi et nous faisons simplement ce que tu nous as ordonné de faire. Oui, Jésus. Oui, Jésus, maintenant, au nom de Jésus, vous recevez votre guérison là où vous êtes. Le dos se remet droit. Maintenant, au nom de Jésus, problème de genou, tu t'en vas. Toute douleur qui est dans ton corps, ça quitte plus que ça. Je te délie totalement dans le nom de Jésus. Ça quitte totalement. Tout cancer maintenant est asséché dans le nom de Jésus. Alléluia, tu reçois ta guérison. Tu reçois ta guérison. Dieu envoie sa parole maintenant et il te guérit, il te délivre pour te sortir de cette fosse. Maintenant, tu reçois tout un infirmité quitte, toute infirmité s'en va et tu reçois ta guérison. La paix vient sur toi en signe que Dieu a approuvé ces moments. Oui, Jésus, tu le fais. Reçois maintenant cette onction de guérison. Reçois maintenant au nom de Jésus une guérison totale pour ton corps qui sera un témoignage pour les gens qui t'entourent. Reçois ta guérison. Maladie, tu t'en vas. Maladie, tu t'en vas dans le nom de Jésus. Alléluia, cette maladie que tu avais n'était pas pour la gloire des ténèbres, mais elle est pour la gloire de Dieu. Alléluia, tu reçois maintenant au nom de Jésus ta guérison. Merci Seigneur. Accepte aussi la puissance de ces mains percées. Que Dieu vous bénisse.